Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va super bien, mais je crois que tout le monde s'en bat strictement les couilles. On a toujours eu l'habitude des grandes demandes en mariage où ça se finit par un oui, bisous, m'amour, machin, je sais pas quoi. Sauf que là, je vous ai concocté un ensemble de demandes en mariage de merde, c'est-à-dire complètement foiré, et je vous assure, ça peut faire très très mal. Juste avant que la vidéo commence, les potes, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus, objectif 300 pouces bleus, je sais que vous êtes largement capable de le faire, vous n'êtes pas des... Pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir, et puis je vous laisse à tout de suite pour la vidéo. Peace! Pour la première séquence, on se retrouve chez Koé, c'est-à-dire sur Énergie, hein. Et en fait, si vous voulez, il y a ce concept avec Marion, où en fait, ils appellent des numéros pour tester les copains, copines d'un tel, d'un tel. Et sauf que là, une fille a décidé de tester son mec juste avant de le demander en mariage, en faisant appel à Marion de chez Énergie. Donc elle le teste, finalement, tout se passe bien, et puis le mec refuse les avances de Marion, ce qui est plutôt cool jusqu'ici. Donc du coup, après, il lui passe sa copine au téléphone, et là, elle fait sa demande en mariage, mais ça se passe pas totalement comme prévu. Tu vas juste éclater avec moi, moi je te propose que du cul, hein. Non mais ma copine me comble donc pas besoin d'aller voir ailleurs. Vas-y ma belle Clara, lance-toi. Mon amour, un an et demi avec toi et déjà tellement de voix, j'étais mal à la folie, tu viens de ma vie. Mon amour m'a dit, mon chéri, sache que je serai quelqu'un pour la vie aujourd'hui, je suis tellement comblée que je te demande, bébé, veux-tu m'épouser? Cédric, on attend. Alors je sais pas. Je sais pas. Non mais attendez. Malaise. Il a rien dit. Attends, il a peut-être dit. Il a peut-être dit oui. Le poème va changer. Mon amour, je voulais te mettre un fil à la patte, mais ce qui m'intéresse, c'est ta chatte. Je vois que tu y as cru, mais en fait, tu l'as dans le cul. Oui, franchement, pour l'instant, c'est tendu pour qu'on se marie, parce que ça fait qu'un an et demi, mais on peut aller boire un coup sur Montpellier dans deux semaines. Pour la deuxième séquence, les gars, on se retrouve avec un policier dans un centre commercial qui a décidé, par pur hasard, ou je sais pas s'il l'avait déjà vu plusieurs fois, de demander en mariage une passante, en fait, qui faisait les boutiques tranquillement. Donc du coup, il la demande en mariage, sauf qu'elle refuse. Donc du coup, la solution, c'est de faire son job de policier. Baby, will you marry me? So now I look like an idiot in front of everyone. No, don't baby me, don't baby me. I thought you loved me. You were trying to work things out. Work what? You've embarrassed me in front of everyone. Turn around. Lena, turn around. I don't care. Turn around. Turn around. You're going to embarrass me in front of everyone. That's it. She loved me. She would have done this to me. Pour la troisième séquence, les gars, on se retrouve avec une demande en mariage dans un aéroport avec un mec qui sort absolument le grand jeu. Pas la demande en mariage, vite fait, ouais, tu veux m'épouser. Non, la grosse demande en mariage. Il se met à genoux, il se met à chanter. Il y a un orchestre derrière lui et ça tourne mal. Non mais meuf, comment tu peux dire non? Le mec il t'a chanté quelque chose. À partir du moment où tu vois ton mec qui chante dans un aéroport devant absolument tout le monde, tu peux pas te barrer comme ça en courant comme une grosse lâche. Putain, je me suis fait mal au front. Je sais pas si vous êtes déjà allé à un match de basket ou un match de football ou je sais pas trop où. Vous savez, il y a les écrans quand c'est la Saint-Valentin ou quand c'est Noël ou des occasions comme ça. Il y a une caméra en fait qui filme au hasard un couple dans le public, dans les tribunes. Et en fait, ces deux personnages doivent s'embrasser. Donc du coup, il y a un mec qui s'emballe un petit peu, quelques couples s'embrassent, après ça passe à une autre caméra. Et il y a un mec qui s'emballe un petit peu où en fait il fait sa demande en mariage devant tout le monde, devant la caméra, sur l'écran géant. Pour la dernière demande en mariage, les gars, on se retrouve avec une demande en mariage assez brutale. Puisque le mec est dans un aéroport, il demande sa copine en mariage, devant absolument tout le monde encore une fois. Il lui dit tout ce qu'il ressent, patati patata, voilà voilà voilà. Et le truc, c'est que quand il commence à se mettre à genoux et à sortir la bague, sa meuf se jette sur lui et lui dit d'arrêter. Sauf que le mec continue, donc du coup, sa seule solution, c'était de prendre la guitare du musicien. Et vous allez voir ce qu'elle va faire avec. Jump, I need you. You truly make me the happiest person on earth.
Bon les gars, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez bombardé cette barre de likes, je compte sur vous. Ce que je vous propose, c'est que dans les commentaires, vous me mettiez la demande en mariage la plus originale que vous seriez capable de faire. Bien capable, hein, pas imaginer je sais pas quoi, les éléphants, les machins. Non, juste la demande en mariage que vous aimeriez faire à votre copine plus tard, si vous comptez vous marier, hein, parce que si vous comptez rester célibataire, voilà quoi. Et puis voilà, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner juste ici, et à regarder une de nos vidéos qui s'affiche juste là, et je vous fais pas de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Peace.